Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel, de retour sur Amber's Airline 7 Wonders. Nous sommes en Jordanie, à la cité perdue de Petra, et on continue nos aventures en compagnie de la compagnie Snuggford Airlines après le décès de notre chère et regrettée Faith. Et on continue donc avec les petits déboires que vive notre chère Amber. Et aussi, donc la compagnie, par rapport au crash de l'année dernière, et Amber a perdu son journal, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc si vous découvrez seulement la vidéo maintenant, n'hésitez pas à regarder le let's play depuis le début, vous trouverez le lien dans la description. Salut Amber, comment ça va? Donc ça, pour faire court, c'est l'ami du mec qui est amoureux de Amber, et Amber a des sentiments pour ce mec-là, mais elle courait aussi après un autre mec en même temps, elle savait pas trop quoi faire, donc voilà. Salut Amber, comment ça va? Oh, salut Ashley, ça va, merci, je suis juste un peu fatiguée. Ces voyages ne sont pas de tout repos. Ouais, j'imagine. Écoute, ce n'est pas pour mettre mon nez partout, mais il y a quelque chose entre toi et David. Je suis un peu perdue, vous aviez l'air très proche au début du voyage, mais maintenant... Oh non, on est... juste... ami, j'imagine qu'avec Elise en arrêt, je n'ai pas eu le temps de bavarder. Tu peux me dire la vérité, Amber? Ça ne me dérange pas, j'ai besoin de savoir. C'est juste que j'aime bien David et je ne veux pas me mettre entre vous. Ashley, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le cas. Si tu veux te rapprocher de David, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Ah, mais Amber, tu fais n'importe quoi, t'as rien compris. Parce qu'elle est un peu amoureuse de David aussi et... Oh là là, il va y avoir trop de souffrance, trop de souffrance. Mais quoi? Et toi? Où est Pamela? J'ai dit où elle est? Je ne sais pas. Ouh là là, oh, j'ai cru qu'il allait la frapper. Alors là, franchement, ça allait pas le faire. Bah, Amber, est-ce que tout va bien? Ouais, ça va, ne t'en fais pas. Ok, bah, je me casse, on part par la gauche. Très bien, alors on va acheter des trucs pour que les gens soient plus patients. Voilà. Il faut que je fasse quoi? Oh, what the hell? Empêcher Fabio de rejoindre Pamela? Ok, bah on va essayer de faire ça. Alors, oh, c'est quoi cette histoire? Il va monter sur le chameau, c'est rigolo, c'est un nouveau mini-jeu ça. Ah, j'avais oublié. Oh, brosse le dromadaire en cliquant sur la brosse et en le faisant glisser sur le pelage dans le sens du poil. Oh, oh c'est trop drôle. J'aime trop, c'est rigolo. Alors, pardon, toi tu vas aller acheter ça. Ah oui, alors attends, toi tu veux ça, ça, ça. Je te donne ça et ouais je m'occupe de toi. Ah ouais ok, je te ferme le sac parce qu'en plus monsieur ne sait pas gérer ça tout seul. Allez bon, on se retrouve à la fin de la journée. Oh là là, ok, c'est 800 voyageurs avec des cœurs dorés, mais c'est trop bien. Je suis trop fort là. Alors attendez, c'est bon, en plus j'ai empêché l'autre Fabio là de venir embêter notre ami. Pardon, pardon monsieur. Allez, on va recharger là et voilà, tout va bien, on se retrouve à la fin. Et voilà, fin du service, hop hop hop, on donne ça à la petite dame, on va venir s'occuper. Ah, mais j'avais même pas remarqué qu'il était en 3 dimensions, regardez le dromadaire, c'est rigolo. Hop là, ouais, quand il tourne sa tête et tout, vraiment, wouch, et hop, du sable jaune, magnifique, allez, bon, c'est joli. Bon, là, je suis un peu inquiet, il se passe vraiment pas mal de trucs pas gentils, hein. On a le problème avec l'avion, le problème avec le journal, le problème avec le vilain Fabio, là, qui veut du mal avec Pamela. Ah, Pamela, pardon, et Pamela qui... Oh non, c'est ça, j'en ai assez. Tu me dis où elle est, sinon... Oh, sinon quoi? Fabio, amuse-toi bien. Enfin, Pamela, où étais-tu passé? Mais oublie ça, Fabio. Pourquoi menaces-tu mon ami? Parce que cette petite hypocrite essaye de nous séparer. Elle est jalouse de ce qu'il y a entre nous. C'est une manipulatrice et une... Ça suffit. Fabio, Amber est mon ami. Ne parle pas d'elle comme ça. Ok, bébé, ok. Je suis désolé. Tâchons de garder la tête froide. Oh non, j'y vois clair maintenant. Le meilleur siège, la bouteille de vin, tu t'es servi de moi. Ce n'est pas Amber qui essaie de me manipuler, c'est toi. Fabio, c'est fini. Nous verrons ça. Oh là 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 là, vilain, vilain. Pas gentil, gentil le Fabio. Hein. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quoi comme nouveauté? Ouais, ouais, j'en sais que t'as des nouveautés à me donner. Vas-y, 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 vas-y. Oh là là, c'est joli comme tout. Non, mais c'est des chapeaux. Les nouveautés, ok. Hop là, oh là, c'est une chicheur, ça en vrai. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas les nouvelles chaussures. Eh ben, on va prendre les nouvelles chaussures, ça ira bien. Voilà. Sparkling. Alors, let's go. Ah oui, c'est quoi ça? C'est vrai que j'ai découvert un truc. Oh. Histoire complexe. C'est qui ça? C'est qui ça?
C'est Clark et David? Je les reconnais pas. Ah, ils sont plus, ils font plus humains que le dessin habituel. Cher journal, je suis perturbé, mes sentiments me chamboulent. Je t'ai dit à quel point je suis à l'aise dans mon métier, mais dans ma vie amoureuse, je sais pas, c'est bien plus compliqué. Je sais que j'ai fait du mal à Clark, mais il a raison, mes sentiments pour David sont forts et dépassent l'amitié. Mais comment le lui dire? Et suis-je aussi amoureuse de Clark? Est-ce possible d'aimer deux personnes à la fois? Je suis un peu perdue. Bah oui, Amber, ça s'appelle être polyamoureux. C'est possible, sauf que, en général, dans ce genre de situation, on s'arrange pour trouver des gens qui sont comme nous. Parce que là, c'est clair que si Clark et David n'ont pas une once de bisexualité en eux, ça va pas être possible, hein. Et surtout qu'ils soient polyamoureux, parce que sinon, c'est foutu. Je ne vois pas comment je vais arranger les choses cette fois. Tout ce que j'ai essayé de réparer, ça a été un échec. La relation de Pamela est un désastre. Oui, mais ça, c'est pas de ta faute. David et Clark ne me parlent plus. Et puis, cette histoire de journal, j'ai toujours pas eu le courage d'avouer à Karen. Et cette photo de mon enfance que j'ai retrouvée, je ne sais plus quoi penser. Je crois que je me sens seule. Tu parles presque autant que Sushi, hein? C'est peut-être la barrière de la langue. Tu vas parler en arabe au dromadaire? C'est quoi ça? Ces audio guides sont très pratiques et grâce à un nouveau chargeur, ils seront prêts plus rapidement. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ces 10 doigts, hein? Alors attendez, on va charger tout ça un petit peu. Comme ça, on est déjà tranquille. Voilà, toi tu fais ça. Oula, non, c'est 4 maximum. Ok, là c'est 3 maximum, voyons. Alors, je vais voir un audio guide. Ah! Ok, c'est nouveau, là, il y a des deux couleurs. Vous m'avez piégé. Ah, c'est joli, j'aime trop. Je faisais ça quand j'étais petit, mais avec du riz. Qu'on coloriait, c'est ma mère, elle faisait colorier du lit, du riz, pardon. Et oula, j'ai raté mon coup. Et on faisait et on remplissait des bouteilles, c'était trop joli. Bon allez, je sais pas. Ok, monsieur veut toujours que je l'aide à fermer son sac, il va changer de place. Et ben on se retrouve dès qu'il y a du nouveau par rapport à ça, comme ça on voit ce que c'est. Ah mais non, mais c'est comme... Qu'est-ce que j'ai quoi? Ah je me suis trompé de truc. Ok, bon bah voilà, c'est ça, c'est juste rien de nouveau. Ensuite j'ai raté, j'aurais dû envoyer les deux en même temps. Oula, il faut que je le prenne, sinon lui il va perdre sa patience. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai pas vu ce que c'était le... tu crois que je me suis trop impliquée, madame? T'es buggée dans la relation de Pamela? C'est mon amie, je déteste qu'on la maltraite comme ça. Oh, j'espère qu'elle comprendra. Mais oui, ne t'inquiète pas. Ah, parle de dromadaire. Oh, bah oui, bien sûr. Narmol. Alors, attends. Lui, tu parles combien qu'il va vouloir... Mais j'en avais déjà un, zut. Oh, zut, zut, zut. Pour être honnête avec toi, Elise me manque aussi. Oh, nous passions beaucoup de temps ensemble. C'est vite, sans elle. Ouais, bah madame, tu dois travailler. Voilà quoi. Évite de parler au dromadaire pendant que les gens ils sont en train d'attendre, t'es bizarre, t'es trop bizarre. Ok, on va fermer ce sac. Toi aussi, tu te sens à l'écart? Si tu as besoin de te confier, je suis là. Ça, c'est le bruit d'un dromadaire qui... C'est quoi déjà le cri du dromadaire? Un dromadaire, ça meugle? Non, bah je sais pas, j'allais dire... j'avoue, je sais pas. Alors là, je suis perdu, je vais chercher sur internet. Fin du service, on a perdu du temps à un moment donné, mais c'est pas grave. Allez, j'aimerais... Ok, oula. J'ai raté mon coup. Et voilà, magnifique. Oula, madame... pourquoi j'ai... Ouh, j'ai bugué, j'ai bugué, j'ai bugué, j'ai cliqué sur elle. Allez, allez, allez. Ouh là là, ma pauvre Amber, elle est en mode... Quoi? Ah, mais j'ai pas cliqué sur... Oh là là, je suis nul. Vite, 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 je voudrais gagner du bonus quand même. Blablabla. Ouais, parfait. Allez, va travailler. Ouais, super, j'ai quand même gagné 120 de bonus. Oh, bon, en même temps, j'avais déjà les 3 étoiles, mais bon, c'est pas grave. Ah! Oh no! Please! Oh, bon. Pixel, calme-toi, ce n'est pas grave. Moi, j'ai pas de préférence, comme je vous l'ai dit, je suis ni team. Ni team Clark, ni team David. C'est juste qu'à un moment donné, il faut juste être honnête avec ses sentiments et dire la vérité. Et voilà. C'est tout. C'est juste que... Voilà. Ah ben, on peut se parler. Oh, d'accord, je suppose que tu as discuté avec Ashley. Non, de quoi? De rien. De quoi tu voulais parler? Je viens de réaliser que j'étais un peu trop distant ce dernier temps. Est-ce que tu tiens le coup? À vrai dire, pas vraiment. Enfin, entre le secret... entre le stress et de l'affaire de Kyle et ce qui est arrivé à Faith, tout est vraiment très tendu. Oh, j'aimerais avoir des bonbons. Des bonbons? Bah, tu te souviens quand on était petit que ton père partait en voyage et que tu ne savais pas quand il reviendrait? Je venais toujours te voir pour t'apporter des bonbons. Ah oui, on les mangeait cachés dans notre cabane pour que ma mère ne nous crie pas dessus. Ah! Oh, les bons souvenirs! Ça m'a dû remonter le moral, c'était agréable de savoir qu'il y avait quelqu'un à mes côtés. Rien n'a changé, Amber. Je suis là si tu as besoin de moi, tu le sais, n'est-ce pas? Aïe, 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 il est dans la friend zone, il est dans la friend zone et il n'arrive pas à en sortir. Mais bon, en même temps...
En même temps, on peut pas aller contre ses sentiments. Qu'est-ce que c'est que ça, nouveau mini-jeu, carte de Petra? Ah bon, on a vu la même chose à Rome, vous êtes pas trop foulés ce coup-ci, hein. Le plus court pour accéder au monument. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tu es hyper prolifique, toi. Alors, qu'est-ce que t'as fabriqué de nouveau? Des talons supplémentaires. Ok. Et un nouveau chapeau. Parfait, très bien. Allez, on avance. Gagner 12 cœurs dans le jeu du sable. Easy peasy. Oh. Oh. Hey, nous sommes quittes maintenant, Justin. Tu m'as aidé à ajuster mon siège. Je t'ai aidé avec un atterrissage d'urgence. Génial. Si t'étais pendant une urgence n'est pas suffisant, quand auras-tu confiance en moi, Justin? Justin, est-ce que tu as un problème avec moi? J'ai eu mon compte d'homme qui n'acceptait pas les femmes pilotes. Alors s'il te plaît, si c'est le cas, dis-le. J'ai dû me battre longtemps pour devenir pilote de l'armée de l'air, et je peux te dire qu'ils ne plaisantent pas dans l'armée. Non, non, Madeline, calme-toi, il ne s'agit pas de toi, c'est juste cette situation. Je sais que tu es une bonne pilote, mais c'est dur pour moi de faire confiance à qui que ce soit en ce moment. Quelqu'un nous a trahis en disant toutes ces choses terribles sur Kyle, je ne sais pas si je peux te faire confiance. Je pense que tu devrais te concentrer, je ne te demande pas de me faire confiance, juste de me respecter. Bien dit, Kathleen, bien dit. C'est bien, y en a marre. Pouvons-nous essayer de profiter de ces derniers moments de pilotage ensemble? Oui, je crois que ça va être possible. C'est bien! C'est bien! Allez, c'est parti, on y va, on fait jouer. 1, 2, on prépare tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a rien de nouveau, tout va bien. On va appeler quelqu'un de plus, monsieur, voilà. Et hop, voilà. Et on va te recharger et on va prendre le machin. Oh, c'est beau, j'avais pas vu le changement. What là, ça tourne. Un petit... What the hell? C'est bon. Ah, elle veut changer de place. Où est-ce qu'il veut quoi? Ah bah oui, c'est le jeu de la carte, du coup on va voir ça ensemble. Oh, indique au touriste le chemin à prendre jusqu'au monument. Attention, tu as une limite de distance cette fois. Ah, petit coquinou. Dans Rome, on s'en foutait le chemin par lequel on passait, mais là il y a une limite de distance. Du coup je réfléchis, le chemin le plus court c'est ça, non? Ah ouais, la limite de distance. Blue, j'ai réussi. Parfait, très bien. Eh bien, merci. On se retrouve à la fin de la journée. Et hop, quelqu'un vient d'avance. Ouh, fin de la journée, ça y est, c'est tendu là. Il y a plein de gens qui arrivent. C'est la cata, c'est la cata. Ok. Je suis où? Bah, pour aller là, c'est là le plus rapide, non? Oui, parfait. Très bien, bon, c'était easy. J'ai le compas dans l'œil, ça me va, ça me va, ça me va. Bon, pourquoi j'ai préparé un sandwich en plus? J'ai perdu du temps. Mais je me suis dit, on va préparer ça en avance, au cas où. Bon, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Elle veut quoi? Hop là, elle veut ça, on fait ça. Oh là là, lui va perdre son cœur, lui va perdre son cœur, lui va perdre son cœur. Jaune. Ok. Oh là là, ça pardonne pas là. En fait, il y a eu que pile le bon nombre de... Vite. Parfait. Il y a eu que pile le bon nombre de mini-jeux pour avoir les 12 cœurs. Hein. Donc ça veut dire qu'en gros, il fallait vraiment pas se foirer. Allez, 120. Ouh, c'est meilleur que la dernière fois. C'était 60-60, là c'était 40-60-80. Génial. Allez, on continue. Ça y est. Ah, papa. Bonjour Amber, avez-vous eu le temps de visiter le temple? Pas encore, je pensais y aller après le travail, une fois que j'aurai le temps libre. Ce n'est pas un travail facile. De longues heures loin de chez soi, ça doit être dur d'être loin de sa famille. Oh, j'arrive à voir ma mère de temps en temps. Elle était habituée à ce que mon père ne soit pas là, il voyageait beaucoup pour le travail. Des fois, je ne le voyais qu'une fois par an. Oh, je vois, c'est une femme très indépendante, on dirait. Oh, complètement, depuis que papa est parti, elle dirige la ferme familiale toute seule. Amber, je ne crois pas avoir vu mon père depuis mes 8 ans. Il était géologue alors, il voyageait beaucoup, mais quand nous avons perdu mon petit frère... Ah oui, c'est vrai que le petit frère d'Amber, il est décédé, il s'est noyé. Et Amber s'est senti coupable pendant très longtemps. Allez, regardez la saison 1, c'était super. Oh ben, s'il vous plaît. C'était la dernière fois que nous l'avons vu. J'ai beaucoup de chance d'avoir une mère sans... Comme elle, sans elle, je ne serais pas hôtesse de l'air. Amber, vraiment, je... Ah, Amber, tu peux m'aider? Oui, bien sûr, c'est lui, bah évidemment. Mais si, franchement, là, le gros plot twist, si c'est pas le père, je sais pas ce que c'est, hein. Excusez-moi. Trouver une mystérieuse relique à pont. Genre en mode, c'est un site de fouilles qui a été fouillé depuis des décennies, en mode, eux, ils vont trouver des reliques, hein. Oh, eh bien, je crois que c'est tout. Fini mes projets pour moi. Ah, bah là, il y en a une. Ah, là, il y en a une. J'ai
annulé le mariage. Quoi? Tu as annulé, mais pourquoi? Après ce qui s'est passé avec Faye, ça m'a fait réfléchir. Je n'ai pas besoin d'un mariage de rêve. Je me ficherais bien de nous marier dans un cabanon. Tout ce que je veux, c'est Kyle. Oh, c'est tout ça, c'est à cause de cette stupide histoire. C'est pas juste. Je déteste la personne qui a divulgué nos vies privées à la presse. Je sais pas, Mila, mais au moins maintenant, je peux me concentrer sur le voyage et m'assurer que tout se passe bien. Aïe, 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 je me sens mal. Comment leur dire la vérité? Et pourquoi il y a des reliques? Ah, Indiana Jones qui déboule. Je peux vous aider, monsieur? Oh oui, je cherche des reliques spécifiques pour un musée. Vous ne les avez pas vues par hasard? Non, mais je peux vous aider à les trouver. Vous avez raison, leur place est dans un musée. Ah! You belong to a museum. C'est, sa place est dans un musée. C'est une grosse référence à Indiana Jones, évidemment. Ah, l'easter egg, c'était mignon. Allez, on va faire ça. Alors, attendez. Là, 1, 2, 3. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai déjà compté. Bon. Ah, ça y est, on va recharger. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a d'autres ? Ou ça ? Ah, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il en manque une. Il en manque une. Il en manque une. Alors, madame, 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 madame. Vous me perturbez. Où sont les reliques ? Ah, voilà. Évidemment, vous êtes des petits vicieux quand même, hein, les games old school, les old school games, pardon. Un petit peu de sable, et on ferme, et on prend ça, et on donne à la petite dame. Voilà, allez, on se retrouve à la fin de la journée. Fin du service. Voilà, j'ai pris l'amphore de trop, là, j'avais même pas remarqué, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, avec moi? Bon, j'espère que le monsieur voudra un amphore. Comme ça, je suis tranquille, formidable. Que veut la petite dame? La petite dame veut ça, ça. Allez, monsieur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh là là, il va aller là, on va l'emmener visiter des lieux qu'il kiffe. Alors, comment on fait pour aller? Ah, c'est par là. Ok, ok. Ouh, il me restait même du truc. Ouais, je suis refait. Oh là, ça y est, tout le monde veut se barrer. Bah parfait. Bon là, par contre, j'aurai pas le bonus du temps. Hein. Oh là, regardez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, alors, allez, allez, allez. On veut savoir l'histoire. On veut savoir l'histoire. La souris était vers là, je crois. Oh, Adrian, est-ce que tout va bien? Oh, tu es au courant pour mon journal? Quoi? Tu as vu celui qui l'a pris? Non, l'équipage, je le sais pas encore, je n'ai pas eu le courage de leur dire. Je sais que c'est pas ma faute, mais... Ah oui, tu as raison, merci Adrian. Aïe, 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 mais comment annoncer la nouvelle? Aïe, 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 aïe. Ouïe, 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 ça fait mal, ça fait mal. Bon, allez, un dernier pire épisode, comme ça, la prochaine fois, on fait un épisode. Ouais, tu vas te calmer. Deux épisodes et on va aller à Rio de Janeiro. Oh, le Christ rédempteur. Le Christ qui pardonne. C'est magnifique, non? Et du coup, voilà. C'est une magnifique allégorie de ce qui va se passer. Ou pas, en fait. Parce que là, elle est complètement perdue. Hein, notre pauvre Amber. Donc, si t'es perdu de Petra. Et ensuite, bim, elle s'est pardonnée. Magnifique. Magnifique. C'est génial. J'ai tout compris à la métaphore du jeu. Le temps presse. Le procès commence demain. Et nous sommes toujours loin d'avoir découvert quoi que ce soit. Si rien ne change d'ici peu, Kyle va, oh, nous ferons tout pour l'empêcher. Il doit bien y avoir quelque chose à faire pour blanchir le nom de Kyle. Une idée, Amber? Oui, tu sais toujours comment nous sortir des situations désespérées. Amber, je suis désolé, je suis à court d'idées. Ok, on se casse sans dire un mot. Vous kiffez? Quoi? J'ai pas assez d'argent. Oh là là. Bon, allez, on fait ça, on se prépare et on remplit ça avant que les gens viennent. Amber ne se sent pas bien, faites une pause. Ah mais c'est la canicule, ça y est. Grosse canicule sur la France et la Jordanie. Pensez à vous hydrater. Et voilà. Bah ça tombe bien, il y a des bouteilles d'eau qu'on distribue gratuitement en plus. Nous on est trop sympa. Bim bam boum, bim bum. J'imagine je me trompe et tout, je vais vers le haut. Là, ça fait... Bon, eh bien, attendez, moi je veux juste voir ce qui se passe quand... Qu'est-ce que... What the hell? Pourquoi je fais ça? Hop là. Vroom vroom. Je veux juste voir ce qui se passe quand... Elle se sent pas bien. Genre en mode gros voyeur et tout. Voum, 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 vim, vam, voum. Voilà, parfait. Allez, je te ferme le petit sac. Ok, je... Oula! Heureusement, je suis pas daltonien. Tout va bien. Voum. Et hop, toi, tu vas là-bas. Je n'ai pas eu le temps de te faire. Bon, alors, Amber, quand est-ce que tu te sens fatigué, là? Parce que là, moi, je... Oula, j'aurais... Non, j'aurais dû prendre les deux objets en même temps, mais c'est pas grave, tant pis. L'idée, c'est de... Ok, oula. Nettoyage, nettoyage, nettoyage. C'est, par exemple, je vais essayer de vous montrer. C'est quoi l'objectif du jeu pour gagner des points? C'est de faire des trucs à la chaîne. Donc, par exemple, lui, il veut aller là-bas. Ah, ah, Amber, Amber. Amber, Amber, Amber.
Oh! Ok, formidable. Ok, on fait ça, regarde. 1, 2, 3. Lui, il veut une amphore, donc vous prenez l'amphore. Et ensuite, vous donnez à lui, vous donnez à lui. Ça va faire un bonus de à la chaîne. Vous voyez? Voilà, combo. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce que... Ouh là là, mais là, c'est tout le monde veut attendre, en vrai. Attendez, on va faire ça, on va donner à lui. Voilà, bon, j'aurais dû le prendre avant. Comme ça, regardez, je vais faire un magnifique truc. Regardez ça. Tchouk, 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 tchouk. Et... Tchouk, 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 tchouk. Allez, elle est en mode bugué, je dis au revoir à des gens qui n'existent pas. Regarde, on fait ça. Elle va perdre son cœur. Elle l'a déjà perdu, je suis trop nul. Bon, allez, on se retrouve à la fin de la journée, parce que là, j'ai trop parlé. Hein. La souris, la souris. J'ai pas vu où elle était. Où est-ce que t'es, souris? Souris, t'es vers là, je pense. T'es vers là. Je t'ai entendu vers... T'es caché là-bas, je suis sûr. Souris? Souris! Bah, j'ai pas vu. Et fin de la journée. Voilà, voilà. Bim, bam, boum, bim, bim. Voilà, c'était facile. Quoi? J'ai foiré la blague? Mais qu'est-ce que j'ai raté? Je comprends pas. Bon, faut que je parte, là, ça va plus du tout, je suis trop fatigué. Humber est trop fatigué. Ma petite dame, là, tu seras la dernière, en plus, je vais faire zéro combo à cause de toi, non, mais ça va plus du tout. Hein. Moi, je vais te renvoyer du voyage, tu vas vite rentrer chez toi, hein. Hop, 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 vas-y, bon, ça va, t'as des petits cœurs dorés. Oh, j'ai les trois cœurs, easy peasy, alors. Attends, on va recharger ça pendant qu'elle fait rien d'autre. Witch, 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 formidable. Bon, alors. Oh. Oh, bonjour, monsieur Patterson, Adrian. Alors, qu'avez-vous dit aux policiers? Eh bien, je leur ai dit la vérité. Je n'aurais pas dû travailler ce jour-là. Je suis en plein divorce, je ne supporte pas de rester à la maison. Je fais tout mon possible pour passer plus de temps au travail. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Nous aurions pu changer vos horaires. Je ne voulais pas déranger. Et ça a failli causer la mort de dizaines de personnes. Quand j'ai vu les nouvelles de l'accident, je n'ai pas dit un mot. J'avais trop peur, j'ai eu tort. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh, je suis renvoyé. Je ne pourrai pas travailler comme contrôleur aérien pendant 5 ans et j'aurai un suivi psychologique. Je vois, je suis fait monter sur les que ça se termine ainsi pour vous. J'ai fait rater l'accent, mais n'importe quoi. Là, j'ai pris un accent genre mi-allemand, mi-créole, n'importe quoi. C'est comme ça, c'est de ma faute. Oh, oh, oh. Je vais dire au métier que Kyle est innocent. Oui! Sans passer par le journal. Ouh, très bien. Bon, et eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis, et puis à me laisser des petits commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis ben, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux qui sont chers pour vous, surtout en ces temps de chaleur excessive. Donc pensez à les appeler, à prendre leurs nouvelles, et à leur donner de l'eau, et à faire en sorte qu'ils fassent moins chaud chez eux. C'est eux. C'est-à-dire, on ferme les volets, tout ça, tout ça. Allez, à très bientôt. Peace out.